Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un vitello de porc à la roquette. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette. Ici, du rôti de porc tranché finement, un citron, de la roquette, une gousse d'ail, des câpres, des filets de sardines à l'huile et une cuillère de mayonnaise. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est préparer donc notre petite crème pour tartiner. Pour ça, un petit mixeur. On met à l'intérieur les sardines avec l'huile surtout, hein, la cuillère à soupe de mayonnaise, notre gousse d'ail, la cuillère à café de câpre. On va rajouter quelques zestes de citron et on vient juste verser ici quelques gouttes. On referme et on mixe. Voilà, parfait ça. Donc on va faire une très légère cuisson à la roquette. Ça va nous permettre aussi d'avoir un petit peu cet effet chaud-froid, hein, qu'on recherche souvent, qui est intéressant pour la dégustation. Donc, le feu, bien sûr, moyen. Je vais prendre un petit peu ici de matière grasse. Alors juste, regardez. Hop, juste un petit filet, hein, pas plus. Hein. Voilà, on entend légèrement que ça crépite. Hop, un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Quand elle est comme ceci, à moitié, on peut déjà éteindre le feu. On utilise la chaleur qui reste. Voilà, elle commence à tomber voilà, directement sur l'assiette. Là, on vient hein, un petit peu étaler notre roquette tiède sur l'assiette. Maintenant, la viande. Alors, on essaye de faire quelque chose qui est joli. Donc, on vient répartir la petite crème de sardines. Alors je peux vous garantir que vous allez voir, les gens vont être un petit peu étonnés au départ, mais finalement le mariage fonctionne aussi bien qu'avec le veau et le thon. Alors on termine bien sûr encore avec hein, quelques petites câpres, puis on vient remettre encore un tout petit peu de roquette crue dessus. Voilà, et vous terminez avec un petit filet d'huile d'olive. Et juste un petit zeste de citron. Donc n'hésitez pas, variez les recettes. Vous savez que ça peut vous permettre de passer des restes de viande, que ce soit de la volaille, du porc, du veau. Et puis vous variez les poissons, hein, ça va du maquereau, comme ici la sardine ou le thon. Vous faites des photos, vous nous envoyez les recettes et on les postera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit!